Choisir de travailler chez Produits forestiers résolus, c'est choisir de travailler en sécurité. To all the transportation professionals watching this video, hello. Did you know that most days over 300 loads of logs, chips, and biomass are delivered to one of our mills? That's over 90,000 trips per year and over 30 million kilometers driven on forestry roads, on the provincial highway system, through our communities, and to our sites. Transportation is the most visible aspect of the forest industry. It's where the citizens of Northwestern Ontario and those traveling through our region see a part of our industry on a road network that we share with all citizens. The most crucial aspect of trucking is that you go home safe every day and that every load is delivered safely to our sites. This video was produced for you. It lays out some of the key safety ingredients of safe trucking. And importantly, the expectations when you arrive and deliver a load at one of our sites. On behalf of Resolute, I'd like to thank you for your commitment to safety and for your participation in our industry and this great business. Thank you. Pour travailler de façon sécuritaire chez Produits forestiers résolus, il y a quatre politiques clés à connaître. L'équipement de protection individuelle doit être porté à l'extérieur de la cabine. Cela comprend un casque protecteur, des vêtements haute visibilité, des lunettes de sécurité, des gants anti-coupure grade 4 et des bottes à embout d'acier de 8 pouces. La politique de produits forestiers résolus sur le travail en hauteur indique que les travailleurs doivent s'attacher lorsqu'ils travaillent à une hauteur de plus de 4 pieds et qu'ils ne sont pas en mesure d'utiliser les supports prévus à cet effet. Soyez attentifs dans les zones de danger. Lors du chargement et du déchargement, demeurez à l'intérieur de la cabine. Autrement, maintenez une distance de 200 pieds de la machinerie en marche. Afin de protéger l'environnement, ne jetez jamais de déchets à l'extérieur du camion. À chaque jour avant de commencer votre travail, vous devez inspecter votre véhicule. Assurez-vous que tout l'équipement du véhicule est en bon état afin de remorquer vos chargements en toute sécurité. Avant de quitter le chantier, remplissez votre journal de transport et le livret d'analyse des risques de transport 360. Notez tous les dangers potentiels ainsi que les détails inhabituels. Cette étape vous permet d'évaluer les risques et de planifier votre travail de manière sécuritaire. Le livret d'analyse des risques de transport 360 peut faire l'objet d'une vérification. Alors, assurez-vous de bien les remplir chaque fois que vous transportez un chargement. Il y a 5 consignes principales à retenir lors du transport forestier. Les passagers non autorisés sont interdits. Respectez les limites de vitesse. Maintenez une bonne communication radio. Assurez-vous de syntoniser le bon canal et d'avertir les autres conducteurs de votre déplacement. Empty start, then black sturgeon. Cela est particulièrement important lorsque vous traversez des ponts ou des sections de route à voie simple. Les camions chargés ont toujours le droit de passage. Il est important de se souvenir que les routes forestières sont partagées avec les particuliers. Restez alerte et conduisez défensivement, car les particuliers n'ont pas de communication radio. Lorsque vous empruntez les routes forestières, souvenez-vous des 5 points suivants. Aucun passager non autorisé n'est permis à bord de votre véhicule. Respectez les limites de vitesse. Maintenez une bonne communication radio. Les camions chargés ont le droit de passage. Et restez vigilant, car les chemins principaux sont partagés avec les particuliers.
Que vous transportiez des copeaux ou des billots, il est important d'être prudent lors du chargement du camion et de respecter les règles dans les zones de danger. Les conducteurs doivent demeurer dans la cabine pendant le chargement de leur camion. Ne sortez jamais de la cabine dans une zone de danger, à moins d'avoir signalé et reçu l'autorisation de l'opérateur d'équipement au préalable. Toutes les activités doivent être suspendues et l'équipement doit être en position sécuritaire. Lorsqu'ils sont à l'extérieur de la cabine, les conducteurs doivent respecter les règles des zones de danger. Ils ne peuvent pas rentrer dans la cabine avant que les activités aient été suspendues et qu'ils aient obtenu l'autorisation de l'opérateur d'équipement. Pendant le chargement, il est important de maintenir la communication radio avec l'opérateur d'équipement afin de recevoir les instructions. Récapitulons. Demeurez dans la cabine pendant le chargement du camion et n'entrez pas dans la zone de danger à moins que les activités soient suspendues et que vous ayez reçu l'autorisation de l'opérateur d'équipement. Une fois le camion chargé, il est important de sécuriser le chargement. Les chargements de bio doivent être sécurisés le plus près de la zone de chargement possible. Afin de bien répartir la pression des câbles, il est important d'arrondir le dessus du chargement. Assurez-vous que tout est en ordre. Les matériaux détachés, les roches ou d'autres débris peuvent poser un grave danger s'ils tombent pendant le transport. Ils peuvent également causer des dommages à l'usine. Communiquez avec le chargeur de bio s'il y a un problème. Rognez les branches, l'écorce ou d'autres matériaux qui dépassent. Une fois le chargement vérifié, attachez les câbles afin de le sécuriser. Avant de prendre l'autoroute, il est nécessaire de vérifier votre chargement à nouveau car il peut s'être déplacé depuis le chargement initial. Les chargements de copeaux doivent être bâchés à la station désignée. Les conducteurs doivent se servir des supports de bâchage lorsqu'ils sont à leur disposition. Les conducteurs ne devraient jamais monter pour bâcher un chargement sans protection de chute. Demandez de l'aide s'il est dangereux de sécuriser le chargement à partir du sol ou des supports. Récapitulons. Après le chargement, les conducteurs de camions de bio doivent sécuriser leur chargement le plus près de la zone de chargement que possible, s'assurer que tout est en ordre et tailler les branches ou l'écorce qui dépassent du véhicule. Les conducteurs transportant des copeaux doivent se servir de supports pour bâcher leur chargement. Ne montez jamais sur votre chargement puisqu'il est interdit de travailler plus de 4 pieds au-dessus du sol sans équipement de protection de chute. Demandez de l'aide s'il est impossible ou dangereux de sécuriser votre chargement à partir du sol ou du support. Revérifiez toujours votre chargement avant de prendre l'autoroute à partir d'une route forestière. Lorsque vous arriverez à votre destination, vous devrez à nouveau considérer les dangers et les procédures à suivre. Tout comme vous le faites sur les routes forestières, respectez les limites de vitesse et soyez vigilant car le chantier est occupé par d'autres machineries et traversé par des chemins de fer. La disposition et les procédures de chaque chantier lui sont uniques. Chaque conducteur doit lire la trousse d'orientation lors de sa première arrivée sur le site. Ils doivent également revoir cette trousse annuellement, car les procédures peuvent évoluer. Les ceintures de sécurité sont obligatoires lorsque le véhicule est en mouvement. Les phares doivent être allumés en tout temps. Il est interdit de fumer dans les édifices, dans la zone de la balance ou ailleurs dans le chantier. Cela comprend l'intérieur de tous les véhicules. Il est interdit de se servir d'un téléphone cellulaire lorsque vous conduisez. L'équipement du chantier a le droit de passage.
surveillez votre entourage, car vous risquez de rencontrer d'autres activités sur le chantier. L'entretien des véhicules n'est pas permis sur les chantiers. Si un véhicule tombe en panne ou qu'il reste pris, les procédures de remorquage doivent être coordonnées par le personnel du site. Tous les chargements doivent être sécurisés avant d'embarquer sur la balance. Avant l'embarquement, tous les camions doivent s'immobiliser complètement. Assurez-vous que le véhicule qui vous précède a complètement libéré la balance et que l'indicateur s'est réinitialisé. Suite à la pesée, vous procéderez à l'endroit désigné pour enlever les câbles des camions de bio et les bâches de camions de copeaux. Chaque site dispose de tels endroits et ils vous seront identifiés dans l'orientation du site. Les sites d'Atikokan et d'Ignace disposent d'équipements pour enlever les câbles des camions de bio. Il est obligatoire de s'en servir. Les conducteurs de camions de bio doivent communiquer avec l'opérateur du chantier par le bon canal radio. L'opérateur du chargeur sera votre point de contact principal et vous donnera les instructions de déchargement. Pendant le déchargement, les conducteurs doivent demeurer dans leur véhicule en tout temps. Si le conducteur doit quitter la cabine, il doit d'abord obtenir l'autorisation de l'opérateur du chargeur et attendre que le déchargement soit suspendu. Une fois le déchargement complété, le camion doit être pesé à nouveau avant de quitter le chantier. Les supports de bâchage sont fournis sur le site afin de faire le bâchage et le débâchage. Aucun conducteur ne devrait monter sur son chargement. Après avoir fait peser le chargement, on vous remettra un billet de balance et on vous dirigera vers la station de déchargement appropriée. Souvenez-vous qu'il est nécessaire de porter l'ensemble de votre équipement de protection individuelle lorsque vous êtes à l'extérieur de la cabine du camion. Les procédures de déchargement varient d'un système à l'autre et leur fonctionnement vous sera expliqué dans l'orientation du site. Si vous avez un doute quant aux procédures, demandez que l'on vous guide. N'embarquez pas sur la plateforme de déchargement avant qu'elle soit complètement libérée. Assurez-vous de stationner votre camion de manière à ce que le pare-choc arrière soit supporté par le butoir pour enlever la pression de la suspension pneumatique. Assurez-vous que la benne à copeaux soit dégagée et qu'il y ait de la place pour votre chargement. Lorsque la benne est dégagée et que le camion est bien en place, le conducteur peut commencer le déchargement à partir de la cabine. Pendant le déchargement, personne ne peut entrer dans la cabine du camion ni sur la plateforme de déchargement. Une fois le déchargement complété, le camion doit être pesé à nouveau avant de quitter le chantier. En suivant ces procédures, on peut limiter les blessures et les accidents afin d'assurer un milieu de travail sécuritaire pour tous les travailleurs. Si un accident se produit, il est important de le signaler immédiatement. Communiquez avec le chantier pour signaler vos préoccupations de sécurité ou environnementales. Si vous observez un danger, dites quelque chose, on veut vous entendre. Revoyons les consignes apprises aujourd'hui. Il y a 4 politiques de sécurité clés chez Résolu. Portez toujours votre équipement de protection individuelle lorsque vous êtes à l'extérieur de la cabine du camion. Ne travaillez pas au-delà de 4 pieds sans mettre en pratique les consignes de sécurité additionnelles à cet effet. Soyez prudent, faites preuve de vigilance additionnelle dans les zones de danger et maintenez une distance de 200 pieds de la machinerie en marche.
Afin de maintenir un environnement propre et sécuritaire, ne jetez jamais d'ordures à partir du camion. Lorsque les conducteurs commencent leur journée, ils doivent faire une inspection quotidienne, remplir leur journal de transport et leur livret 360. Ces documents peuvent faire l'objet d'une vérification, alors assurez-vous de bien les remplir. Lorsque vous voyagez sur des routes forestières, il est interdit d'embarquer des passagers non autorisés. Respectez les limites de vitesse et maintenez une bonne communication radio. Les camions chargés ont le droit de passage, mais faites toujours preuve de vigilance au volant, car les routes forestières sont partagées avec les particuliers. Lors du chargement de votre camion, restez dans la cabine à moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'opérateur de la chargeuse pour entrer dans la zone de danger. Maintenez une bonne communication radio avec l'opérateur. Il est obligatoire de sécuriser le chargement des camions de bio le plus près du site de chargement possible. D'abord, assurez-vous que tout est en ordre et rognez les branches qui dépassent. Ensuite, sécurisez votre chargement. Les conducteurs de camions à copeaux doivent se servir des supports de bâchage pour sécuriser leur chargement. Ne grimpez jamais à bord d'un chargement et demandez de l'aide s'il vous est impossible de le sécuriser à partir du sol ou du support. Assurez-vous de vérifier votre chargement à nouveau avant de prendre l'autoroute. Chaque chantier possède ses propres procédures, mais quelques règlements sont en vigueur dans tous les chantiers. Porter sa ceinture de sécurité, allumer les phares, ne pas utiliser de téléphone cellulaire au volant, ne pas fumer même à bord des véhicules, ne pas effectuer d'entretien du véhicule sur le site, sécuriser tous les chargements avant d'embarquer sur la balance, n'enlever les bâches qu'aux endroits désignés. Comme chaque chantier est disposé différemment et qu'ils possèdent tous leurs propres procédures, il est essentiel que chaque conducteur lise la trousse d'orientation du site lors de sa première arrivée. Rapportez tous les accidents et tous les dangers potentiels. En plus de cette vidéo, il y aura une orientation additionnelle pour chaque site. Merci de travailler avec Produits Forestiers Résolus et de vous engager envers la sécurité.